Bonjour, alors on va pouvoir continuer Rogue Trader. Si je clique sur continuer, ça devrait être bon. On était chez. Je fais un putain de truc à lui, hein, un long cul, comme c'est marqué. On va le buter. Classique. Tu vois? On est bien? J'ai prévu le petit café, tout ça, c'est parfait. Je prends le temps juste de regarder les motifs. On venait de finir, si mes souvenirs sont bons, la quête du psycheur. Hydra, je crois, elle s'appelle. Donc on a fini sa quête à elle, qui est blessée d'ailleurs. Tu t'appelles déjà? Tu t'appelles machin? Hydra. Elle avait presque bon. Du coup, bah maintenant qu'on a fini sa quête, on va aller de l'autre côté. Ça, je l'aurai plus tard. Quand j'aurai une porte à passer pour qu'il dise que je quitte pour moi. Est-ce que... Ah, j'ai un tic, hein, je vais pas le laisser là en fait. Alors, revenez là, on va piller le truc. J'ai besoin de ce pillage, j'ai besoin de la réputation auprès de la faction. Et est-ce que je suis pas un peu con, oui. Allez, battez-vous pour être les premiers arrivés. Ouais, tout ça pour ça. Je m'y attendais que ça soit pas ouf, hein. Bah, j'ai pas été déçu. C'est vrai que j'ai pas mon Space Wolf, j'ai pas mon. Mon Abelard, donc j'ai pas les principales mecs qui sont là pour l'athlétisme, tous les risques d'échec. Oh, too hard for a simple monkey. Mais je l'emmerde, je suis pas un simple monkey. Ah! Ouais, bon, bah, je suppose que là-dedans ça va se réveiller et ça va m'agresser. Salut Dark, comment on va? Alors, Tervantias, devant vous se déroule un spectacle des plus troublants, plusieurs homoncules parfaitement identiques sont en train de travailler, leurs visages uniformes et familiers se tournent vers vous avec une expression morose et presque indifférente. L'un des homoncules se met à parler avec son arrogance habituelle. Le spécimen, ainsi nos chemins se croisent à nouveau. Votre évasion de Komorag était à la fois une anomalie statistique et un acte d'une immense lâcheté. Vous auriez dû périr dans la cité crépusculaire plutôt que d'outrepasser les limites de votre utilité. Vous n'êtes qu'un perturbateur. Je suis un perturbateur, un agitateur. ignoble aberration. Le monstre se tait un instant, des pulsions électriques à peine perceptibles parcourent le corps des homoncules, puis celui qui avait pris la parole reprend. Bref, que comptez... On va petit roté. Bref, que comptez-vous faire maintenant que vous êtes là? Allez-vous me poser des questions jusqu'à me faire mourir d'ennui? T'as presque raison, mec. Il y a un mot qui est juste. Tu vas mourir. L'heure chaotique, horrible et effrayante. Seul un fou s'infligerait une telle chose. Horrifié, Casta se détourne le regard. Hein? Voilà, on va réussir le test quand même pour savoir ça. Test de connaissance réussi. Les homoncules frémissent légèrement comme si des impulsions électriques invisibles parcouraient leur corps. Ils ont l'air pratiquement identiques et psychiques, il manque à chacun quelque chose. Un membre, un implant, parfois même une partie de la tête. Le regard unique que vous lance ces nombreux visages ne vous évoque plus seulement l'arrogance, mais vous y voyez également un défaut commun à tous. Il y a un trou dans le plafond. Oui, t'es belle. Oui, viens faire câlin. Viens faire câlin. Fais câlin. Il est pas là, ton frère? Non, il est pas là. Leur visage identique affiche une expression à la fois méprisante et agacée. L'espace d'un instant, les homoncules semblent sur le point de répondre à l'unisson, mais une impulsion électrique à peine perceptible les en empêche. L'un d'eux pousse un grognement dédaigneux, grommelle. Ce n'est qu'une preuve de plus de l'impossibilité de faire affaire avec des formes de vie inférieures. Test de vigilance réussi. L'un des homoncules jette un coup d'œil au trou du plafond et grimace de colère déformée.
Et une grimace de colère déforme son visage. Ce qu'il s'est passé ici provoque une telle fureur chez Terventias qu'il est incapable de la dissimuler. Quel que soit le responsable de ce qui a été fait, l'homoncule ne s'en est toujours pas remis. Les cônes regardent autour d'eux d'une façon presque synchronisée, puis une voix désincarnée vous répond. Cet affreux script n'est ni pratique ni fonctionnel, mais elle fait office de refuge pour mes recherches et moi. Un large et répugnant sourire étire les lèvres de l'un de visage défiguré. Comment le voulez-vous que je le sache? Ah, messieurs, tous les manqués sont ensemble. Ah, c'est celui avec la robe rouge! Pourquoi il n'est plus à Comorax? Ça, c'est une vraie question. C'est pourtant évident parce qu'il s'agit de mon laboratoire qui contient mes recherches nécessitant mon attention, répond le Xéno à la voix familière, comme s'il faisait la leçon à un enfant. Bon, bah voilà! On dégaine l'arme, hein. Le reste, je m'en fous. Il a trouvé des nouveaux cobayes, enfin des nouveaux clones, on s'en fout. Vous n'êtes pas comme les autres individus de votre espèce, spécimen. Cette fois, je tiens à vous étudier beaucoup, beaucoup plus minutieusement. Ce qui nécessite votre mort, et j'aimerais que ce programme vous plaît, car vous n'espérez pas qu'une fois. Ah mon dieu, je suis encerclé! Oh là 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 là! Heureusement que je sais gérer du fait d'être encerclé. Heureusement que j'avais prédit que des cuves allaient en sortir. Alors j'ai le droit de me placer? Vous me laissez l'insigne honneur de me placer? Bon bah comme ça, ça va être bien. Le technoprêtre, on va le mettre plutôt là. Elle. Plutôt là. Elle, plutôt là. La mago, plutôt derrière. Et lui, bon il est bien là où il est. Combat! Bon, elle en tue un, minimum. Oups, j'ai cassé les... Ah, ça peut se péter, ok. Non, parce que je sens que tant que je les laisse en vie, ça va se relever, donc... une ligne de tir arrière pour eux. Alors ça a pas le droit de taper sur... Même... Attends, mais ça lui fait que dalle en dommage. Tu fais pas de dégâts, toi. Ah si. Quand même. Coucou Lucas, comment ça va? Oh, ouf. On va passer cette question. I'll do it. Tu tues même pas? Mais c'est honteux, tu tues même pas! Doubt is for the weak. Voilà. En un seul mot, mot. En deux mots, Momo. En un mot, va.
Bonjour l'ami, je viens vous parler de Monseigneur et Maître, l'Empereur Dieu. Ah là, fait mal. Je comprends pas le mot. Va. Quand. Et ce. Je vois pas. En plus, ça fait trois mots là, ce que t'as écrit. Ça compte pas. Trop bien, ils ont pété le truc d'eux-mêmes. Ouais, je vais nier le terme que tu utilises. Ah, ça, c'est pas ouf qu'elle soit au corps à corps. Je comprends pas ce mot. Oh, tu es trop belle. Viens dans le champ. Voilà le truc le plus intéressant du live, hein, c'est mon chat. C'est pas le gameplay, c'est pas le jeu, c'est le chat. Tu as décidé d'utiliser ma tête comme repose-pied. Il a raison. Bon, elle peut taper comme ça. Voilà, j'avais besoin qu'elle tue. Faut que je regarde les règles de tir pour savoir sur qui ça tape. Ok, c'est pas ouf. Alors déjà. I am not your Xenos pet monkey. Il y a une cuve là qui est encore intacte. M'en méfier, m'en méfier. This tedium is beneath me. If I must, I understand your intent. Alors, combien elle va lui faire de dégâts? Ouais, presque le 200. I am not your Xenos pet monkey. No weakness is hidden from my sight. Ça va. Was that you? Or... We'll do. Voilà, si je le rends aveugle, c'est, je trouve, ma foi, plutôt bien. But of course. Ah bon, elle a pas pu attaquer, mais elle a pris de la vie. C'est bien aussi. Anything else? Voilà. Il s'est immunisé aux dégâts qu'elle peut faire. C'est méchant. Ça a pas marché autant que vous voulez. Ouais, je le pourris celui-là. Alors attends, il a quoi lui l'enfoiré qui fait que je peux pas lui faire des dégâts? La barrière de sang sûrement. Non. Je vois rien. Qui l'empêcherait de prendre les dégâts enfin de psycheur. C'est quoi ce bruit? Attendez, je vais aller voir parce que ça se trouve, il y a un chat qui fait une bêtise. Ah, si ton frangin n'a pas fait tomber.
Bah, j'ai rien trouvé. Il a pas fait tomber ce que je pensais, donc ça va. Mais pourquoi est-ce que... Ouais, je sais pas pourquoi est-ce qu'il prend pas les dommages. Bon, c'est pas grave. Me? If you insist, Lord Captain. Voilà. Isn't this a job for the serfs? Voilà, comme ça, là, déjà, il y a beaucoup moins... Ouais, j'ai bien fait de les péter, je viens de voir qu'il y en a un de plus qui est car pop là-haut. Il a fait tomber quelque chose, c'est sûr, parce que j'entends les s'exciter en bas. Miaou ! Miako ! J'ai entendu miauler ! T'as pas beaucoup de voix, et pourtant je t'entends. C'est moi ou il est en train de tuer ces hommes? God Emperor, move through me. Feed the fire in my heart. Strike is a prayer. Allez les chats, soyez gentils entre vous. As the Emperor commands, I act. I'll do it. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'actions qu'elle peut pas faire, genre ça et tout ça. Et oui, parce qu'elle a plein d'effets négatifs sur la gueule. Non, mais non, j'ai... Faith without deeds is worthless. Doubt is for the weak. Voilà, elle va s'arrêter là, elle. Ouh. Oh, il apparaît! Il part, il arrive à s'en sortir. Mon Dieu. Mon Dieu, Pascal. Et qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, tu prends les coups. That is beneath me. Ah, là, pas de mouvement. Oh, c'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas ouf parce qu'en fait là si elle tire, il y a de fortes chances qu'elle dégomme Pascal. Et on va faire ça. On va préparer la suite. This tedium is beneath me. Est-ce que mon gars va réussir à taper? Oui. Il n'a pas fait très mal, mais il a essayé. Stop trying, monkey. Tous les cas avec une ligne de vue. Hein. Swift. Alors, au moins c'est mieux pour le reste. Ancestors, guide me. Pas ouf hein, ce que j'ai fait en dégâts. Voilà déjà pour commencer. We'll do. On va quand même booster le principal. Step aside. The navigator is coming.
On commence par le maudire, parce qu'il ne l'était pas. Alors, est-ce qu'elle a son bonus? Oui, elle a son bonus. Ah. À combien? 45? C'est pas ouf, hein, 45. I'm not accustomed to being ordered around. On va les tester, mais bon, je pense pas que ça suffira pour le défoncer en one shot. Oh, si, peut-être. Oh, bah, il est mort, hein. Elle est arrivée, elle a fait bonjour, au revoir. Ah ouais, mais là, les mecs... Guided by faith. As the Emperor commands, I am. I'll do it. As the Emperor commands, I act. Rejoice in battle. Doubt is for the weak. Ah bah oui, là, t'as été choisi pour le débiter en tranche, hein, Argenta. Ah. Le bon carnage des familles. En vrai, quand tu commences à être un peu stuffé et avoir la bonne équipe, je trouve que le jeu ne représente pas beaucoup de difficultés. Alors, est-ce que c'est moi qui suis trop puissant? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Parce que j'ai trop l'habitude du truc et donc j'arrive à m'en sortir sans problème. Alors, quel est son âge là? Oh, flemme de lire. Onward. Il y a un trou. La zone autour du creux est couverte de morceaux de béton. Un courant d'air entre dans la pièce par le trou béant au plafond et soulève de petits tourbillons de poussière à vos pieds. Ouh, c'est mignon. Alors, le trou du plafond voûté du laboratoire et le creux juste en dessous parlent d'eux-mêmes. Quelque chose s'est introduit dans la pièce, a arraché un élément du laboratoire et l'emporté. Mais pour l'instant, vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être. Oh, mais... Vigilance. Sous les pierres, la crasse et l'épaisse couche de poussière, vous distinguez des morceaux de mécanismes qui ont été arrachés à leur emplacement et jetés au sol. Ces éléments servaient à maintenir les poutres industrielles en place dans les grands manufacturums de l'Empire. Démolition. On vous étudie attentivement les bords de la brèche, puis après quelques minutes de réflexion, vous en venez à la conclusion que le plafond a été pulvérisé par plusieurs puissantes explosions ciblées. Au bout de quelques instants de plus, vous remarquez des marques caractéristiques sur les débris et les murs. Cette dévastation est l'œuvre de charges à fusion. Alors, si c'est des charges à fusion, c'est que c'est des humains. Hein. Mes semblables n'ont pas réussi à trouver cet endroit. Nos sombres cousins n'en se seraient pas contentés d'un seul trophée, mais aussi important que celui-ci. Non, ce travail est trop rapide et répugnantaire, un comportement des plus typiques des monkeys. Ouais, au hasard, je dirais que c'est l'autre. Ce monde appartient à la maison Winterscale, mais je ne pense pas... Non, je refuse de croire que le seigneur Caligos se serait abaissé à collaborer avec des xénos. Un voile rouge, sombre et verdâtre l'enveloppait chaque fois qu'il était question de chasser les ennemis de l'humanité. Il les méprise, il les haïssent même. Bonjour. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est moi qui ai un petit... truc qui sert foutrement à rien. It is my destiny to traverse the unknown.
Bon, du coup, tout ce qu'on a appris, c'est que quelque chose a été volé au... au mec des Drukhari. Et qu'il n'était pas content de ce qu'on lui a volé. Donc, du coup. L'émetteur Vox sous votre armure se met soudain à crachoter une cacophonie de sons divers et de grognements de tronçonneuses et d'hurlements humains, des grissements métalliques auxquels s'ajoutent les interférences de la transmission Vox. Vous appuyez sur le bouton pour tenter d'améliorer, mais ça n'a rien fait. Bon. À l'aide d'outils, vous ouvrez soigneusement le boîtier de l'appareil et vérifiez chacun des composants. L'émetteur Vox n'apprécie que moyennement votre manipulation et se met à souffler. Puis l'humaine de l'écran s'allume en rouge et la transmission s'arrête. Toutefois, le calme est de courte durée. Sous vos yeux, les étincelles violettes jaillissent de l'appareil et une voix familière de parler aux dieux, rauque et faible, sort du haut-parleur malgré l'absence de batterie. Oh, c'est R, M-I-R, C-S, de Aigle, de D-E, en L'esprit de votre serviteur vous envoie à travers les pensées des forêts de Kessa Terrace. Le cauchemar est de nature réelle. Les ténèbres ont quitté la forêt, mais ils ont encore possibilité de sauver la lumière de l'étoile mourante. Le cœur de la forêt, on appelle à vous. Bon, j'ai fait à peu près la traduction par rapport à ce que j'ai compris, hein. Dès que la voix du prêtre se tait, tout votre corps se campe dans un bruit déchirant, comme si vous veniez d'être électrocuté. Les yeux grands ouverts, vous vous tenez sur la pointe des pieds et contemplez le ciel rouge du crépuscule qui semble être devenu une mer de sang. Aux mains, des doigts couverts de chevalières crevaient sa surface paisible, puis vous voyez Caligos Winterscale surgir des profondeurs, prenant une bouffée d'air avant de replonger. La scène se répète encore et encore jusqu'à ce que Winterscale vous remarque enfin et vous le voyez tendre la main vers vous. Elle se rapproche. Fusion se dissipe, ne laissant qu'un horrible mal de tête derrière elle. Il serait pas devenu berserk de cornes, le con? Au hasard? Traitement des données recueillies, complétation des informations lacunaires, opération terminée. La voix du prêtre change légèrement à travers le système Vox. Pascal Ostellaire, émissaire céleste de l'Aigle Dieu. Entendez les prières de votre serviteur vous envoie à travers la canopée des forêts de Kexak Temer. Le cauchemar est devenu réalité, les ténèbres ont quitté la forêt, mais il est encore possible de sauver la lumière de l'étoile mourante. Le cœur de la forêt en appelle à vous. Oui, ma belle. T'as compris que papa, il voulait que tu sois près de lui. Ah! Il dira, se griffe le visage et des étincelles violettes saillissent des extrémités de ses cheveux. Le soleil du crépuscule a atteint la cime des arbres et le cœur écarlate a battu pour la dernière fois. Étoiles mourantes n'ont plus d'espoir, fuyez, imbécile, partez. Vite, il faut retourner au village avec la magie du psycheur pour nous guider. Soit nous aiderons ceux qui nous attendent, soit nous purgerons le monde de ces abominations illusions. J'ai pas bien compris ce qu'a dit le monkey, mais une chose semble claire, son village a besoin d'aide. Ce n'est pas que je me soucie des problèmes des créatures primitives, je veux simplement réparer le mal que mes semblables ont fait subir à ce monde. Il y a un choix à faire. Aller au village. Pourquoi il propose de rester au laboratoire? Il n'y a plus rien à faire au laboratoire. C'est... Enfin... À moins que l'ascenseur se remette à marcher. Après, j'y retournerai hein, s'il faut. Wouhou! Tout le monde est mort! Laisse-moi deviner, Winterscale a décidé de péter son câble. Du sang pour le trône du libre marchand, des crânes pour le dieu des crânes! Berserk de cornes! Caligos Winterscale éclate d'arrivée incontrôlable en regardant le village baigné de sang autour de lui. Ses yeux sont remplis de colère. Comme si la feuille sur eux s'était emparée de lui. Oui, bah l'autre. Morgane le Gris boit les paroles de son maître. Dans ses yeux injectés de sang brûle une flamme des plus intenses qui lui donne un air surnaturel, effrayant et démoniaque. Les membres survivants de son équipe se sont dispersés autour du village. Le navigateur observe le carnage d'un air absent. Les technopresses absorbés dans l'assemblage et le désassemblage de ses augmentiques jambières. Et le mercenaire s'expie joyeusement les cadavres. Seul parle au dieu, le nouveau psycheur de Caligos est introuvable. Si c'est un berserk de cornes, le psycheur, je pense qu'il est déboîté en petits morceaux, potentiellement. Au nom du trône d'or, abasourdi, argenté, regarde les cadavres des villageois, hommes et femmes, jeunes et vieux. Qu'ont fait ces pauvres âmes pour mériter un sort aussi terrible? Une carcasse se retourne et vous décoche un sourire bas. Ah, Artocat, comment votre chasse s'est-il passé? Qu'est-ce que vous racontez, novice? Les xénos ont réussi à vous laver le cerveau en si peu de temps? Demande-t-il d'un air à la fois surpris et confus. Théodora ne vous a pas expliqué que les accusations sans fondement sont passées de mode depuis un bon siècle, seules dans les étendues? Mec, t'as dit du crâne pour le dieu du sang, enfin pour le dieu des crânes.
Ses couleurs se mélangent d'une façon étrange. Le rouge recouvre totalement ses yeux, mais autour de lui brille d'argent et d'or. Je crois que le Seigneur Quelque-Chose ne voit pas les véritables couleurs de ses actes. Kaigos fait claquer sa langue et éclate de rire, puis se calme rapidement. On teste les limites, Artocat? J'aime notre cran. Mais il est imprudent de mettre la tête si loin dans la gueule du lion. On va tenter. Échec! Merde! Tant pis. Comme il se doit, rugit Winterskull, dont la voix résonne dans la forêt. Je suis un libre marchand, gardien de l'Empereur Dieu et le dirigeant suprême de l'humanité. Bien normal qu'ils tremblent et se prosternent devant moi, au moindre signe de colère, et me supplient de leur pardonner. Sous la pression de son regard, les membres de son entourage s'effacent encore plus. Tout le monde, à l'exception de Wargangri, évite de croiser le truc. Ouais, bah c'est lui. Qu'est-ce que vous racontez, Novice? Harry s'est fait tuer par le Xeno qui ont attaqué notre camp pendant la nuit. Soit Kelgos est en excellent menteur, soit il ne se souvient vraiment pas de ce qui s'est passé. Winterclass frémit comme sous l'effet d'un coup de fouet et regarde autour de lui d'un air confus comme si c'était la première fois qu'il voyait le centre du village. L'anxiété assombrit son visage. Que s'est-il passé? Qui a osé faire ça? Des nouvelles rides se forment sur son front à mesure qu'il prend conscience de la situation. Non, je n'aurais pas pu, à moins que. C'est votre dernière chance, Kaligos. Fendez cet Arlis en deux à la hache que j'ai bénie pour vous. Écorchez-le et baignez-vous dans son sang. Et ensuite, nous oublierons tout ça et reprendrons notre chasse. C'est bien comme ça que vous aimez tromper votre solitude et votre ennui, n'est-ce pas? Tout de suite, tout est de ta faute, misérable bâtard! Kaligos tente de frapper l'archimilitant de sa hache, mais ce dernier évite le coup mortel avec la grâce d'un serpent. Je t'ai pris en pitié et pour me remercier, tu corromps mon âme, tu m'as fait. Personne ne vous a forcé la main, Kaigos. Je me suis contenté d'assouvir votre désir, de l'encourager et de faire éclore toute votre colère. Vous aviez des soupçons, mais votre fierté vous empêchait d'admettre votre faiblesse. En entendant la voix de Warden le Gris qui s'altère à chaque mot, une pensée se forme dans votre esprit. Vous voulez le tuer, le mettre en pièces sur le champ. Misérable impossible. J'ai passé tant d'années à attiser cette rage en vous, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vous rebeller. Vous refusez la bénédiction du dieu des crânes au dernier moment, peu importe. Il vous prend à tous quoi qu'il advienne. Soudain, le corps de Warden explose. La dernière chose que vous remarquez est le regard rempli de haine qui se fixe sur vous. Oh, l'autre, le lâche, il se fait péter. Allongé au sol, Kaigos Winterset contemple le ciel de Kexatamer. Son bassin est dans une position anormale, ses jambes ne bougent plus et un bout d'os transperce sa main. Le mince filet de sang qui lui coule sous le menton ne semble pas vouloir s'arrêter. C'était un beau combat, novice. Pour la première fois, Kaigos parle d'une voix calme et humble. Votre conseil ne semble pas déranger Winterset le moins du monde. J'en ai bien l'impression, oui. Je ne sens plus rien dans le bas de mon corps, mis à part une sensation générale d'impuissance, bien sûr. Satisfait de lui-même, Winterskull se met à rire, mais produit un sifflement rauque. C'est inutile. Enfin, si vous tenez vraiment à me dorloter, je ne vous en empêcherai pas. Il est mort, quoi. Alors, petit level up des familles, classique. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux prendre? Inspiré, fervent, pilier, point fort. Alors, subit un nombre de points de vie direct de 20% de sa réserve de blessures, mais bénéficie d'un cumul d'avantages liés à détermination du maître tactique. Réinitialise le délai de récupération de ça. Détermination, elle est combien? 14. Je perds 20% de ma vie pour récupérer 14 points. Pas ouf. Pilier. L'allié ciblé ou le maître tacticien bénéficie d'un bonus de plus 1 détermination par tranche de 5 cumuls d'avantages acquis par le maître tacticien, mais celui-ci perd la moitié de ses cumuls d'avantages tactiques, car on dit au supérieur. Cet effet est cumulable et dure jusqu'à la fin du combat. Jusqu'au début de son prochain tour, de son tour suivant, le maître tacticien acquiert un nombre de cumuls d'avantages égal à 20 plus bonus social du maître tacticien pourcentage de toute la fougue acquise par la cible, au lieu de 20% habituel. Ouais, point fort.
S'il bénéficie d'un bonus de plus 2 points de vie temporaire, de blessure temporaire, plus une blessure temporaire par tranche de 2 cumuls d'habitude. C'est la fin du tour suivant, le maître tacticien, chaque fois que la cible subit des dégâts et qui lui font perdre des points de blessure, elle acquiert fougue égale à un nombre de points de blessure perdus. Et ben on va prendre point fort. Ensuite. Alors, en vrai, si je veux être à peu près intéressant, faut que j'augmente ma sociabilité qui est bloquée. Donc c'est pas ouf. Si je veux être un peu mieux au corps à corps au combat, il faut que j'augmente combat. Si j'augmente mon intelligence, ça ne changera pas grand chose parce que je suis dans une valeur qui ne changera pas la dizaine. Si je change la perception, elle me permet de faire quoi? Elle permet de réduire l'esquive des ennemis. Ce qui peut être pas mal parce que je loupe fréquemment, mais non, j'augmente. Et ça augmente ma vigilance, ouais, je vais faire ça. Et au fois d'après, j'augmenterai, je pense, à côté. 2B. Toi. Prémonition, ça fait quoi? Ah, ça permet de contrer et de faire les dégâts, c'est pas mal. Et ça me force à me rapprocher, mais c'est nul de le rapprocher. Là-dedans, il y a quoi? Ça peut être pas mal. Ou tout simplement, je lui donne des pouvoirs autres, genre pouvoir de Séraph. Elle est plutôt orientée boost, donc. Ou la pyromancie. Pour faire des dégâts. C'est vrai qu'elle a pas vraiment. Allez, on va lui donner ça. Là, ce qui serait bien, c'est la force mentale, mais j'y ai pas le droit. Du coup, pas perception. Alors, Cassia, c'est force mentale. Hein. Si j'ai le droit, c'est le problème est vite réglé. Ouh putain! Elle en a des conneries à prendre. Comme pouvoir. Alors, cauchemar réveillé, qu'est-ce que ça fait? Pénalité. Tous les ennemis dans une ré... de 12 cases. Alors, force mentale et l'endurance jusqu'à la fin du combat. Ce qui fait qu'ils ont moins de chances de résister au pouvoir. Sachant que c'est 2, 10 plus 24. Donc ça fait 34. Une pénalité de 34 s'applique. C'est pas dégueulasse en vrai. Quand vous voyez mes stats, un petit 34 en moins, ça me ferait mal. Ça c'est bien parce qu'il y a ce qu'il faut pour faire des dégâts. Ça c'est bien parce que j'ai une capacité qui font que s'ils se déplacent, ils doivent prendre des dégâts. Mais... Ah, je pense que je vais prendre le cauchemar. Hein. Force mentale, j'y ai pas accès. Du coup, qu'est-ce qui est intéressant? La perception. La perception avec elle. En vrai, de vrai. Parce que bah, je crois qu'elle a des bonus par rapport à sa perception, qui peut genre pour son esquive. D'ailleurs, ça se voit tout de suite parce que ça passe à 160 d'esquive. Pascal, bon, bah, c'est son intelligence si je peux. Sinon, on verra. Alors, qu'est-ce qu'il a? Un stratagème, qu'est-ce que ça fait?
Je vais prendre ça, ça a l'air sympa. Intelligence, j'y ai pas le droit. Yes, magnifique. Du coup, qu'est-ce qui peut être intéressant? Force. Pour faire un peu plus de dégâts corps à corps, mine de rien. Elle, bon, bah, c'est capacité de tir, agilité, perception, donc. Ça va. Punir l'audace. Ah oui! Déjà, j'augmente de 10 points mes dégâts. Ce qui est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Sans parler de la prime, c'est quoi? Ça inflige que 40% des dégâts. Ah non, attendez. Bonus de CT plus bonus de perception. Ça fait 18 x 4. Ah, ça commence à parler, 18 x 4, hein. On est dans les 72% du dégât habituel. Et non, punir l'audace est plus intéressant, je trouve. Ça précise pas que ça doit être au corps à corps en plus, donc voilà. L'agilité, ça impacte quoi déjà? Une initiative. Diminution, démolition, initiative, esquive. Ça peut être pas mal. Parce que je pourrais pas augmenter les dégâts. Hein. Là, je vais juste augmenter les chances de toucher. Et perception. Je vais augmenter l'agilité juste pour qu'elle soit à 70. Alors Argenta, c'est ça. En fait, Argenta, il y a limite toute la table qui m'intéresse. Hein. Alors, du coup, approche confiante, attaque dévastatrice, incendiaire, rue irrésistible. Ça permet de faire ça. Attaque dévastatrice, c'est sympa. Je l'utilise avec l'autre, donc. Alors, toi, t'as tellement de choses qui peuvent être intéressantes. En vrai, la force, parce que comme ça, elle fera un peu plus de dégâts corps à corps. Et où le prêtre? Y a rien à faire, hein. Il y avait rien à faire. Dommage. Attendez. Est-ce que si... Alors, par exemple, elle, j'en ai plus besoin, je peux prendre lui à la place. Est-ce que des choses ont changé? C'est ça la grande question. Non, ça n'a pas l'air. J'ai pas d'activité qui vient de s'activer là. Il n'y a pas de raison que ça ait changé. Ok. Ah oui, il a quelques rangs de retard, lui. Oh merde, putain, il a tellement de rotateurs que je vois pas ce qu'il a à prendre. Polyvalence, ça fait quoi? C'est pas dégueulasse. Tac, 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 à fond, qu'est-ce que ça fait, non?
Ça a l'air bien. Monter son intelligence un peu. Il se bat tout seul, donc ça sert à rien. On n'utilise pas de grenade, donc on s'en fout. Ça a l'air pas mal. Tout simplement recharger plus facilement, hein. Je suis con. Ouais, c'est pas ouf. Vais prendre Rué. Qu'est-ce qui va être bien là? La sociabilité, on s'en fout. On va passer sa force, enfin sa capacité de corps à corps, assez élevée. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus à faire. On va aller voir la flotte des libres marchands en extérieur, et puis après direction Castel. Hein. Je peux rien faire. Ah, attendez. Désolé, hein, je suis en train de regarder. Là, qu'est-ce qu'il me faut? 45, on va dire 46 de réputation. Là, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai que ça à faire en fait. On va voir ça après. Là, j'ai plus rien à faire. Kiavagama, voilà, Kiavagama. Il me faut combien? Les 5 munitions pour avoir ça ou 54. Il a. Oh putain. Les phobos de mémoire, c'était prêt. Retourner à la passerelle. Ah, il faut que je parle à Idira aussi. Ah, c'est vrai que j'avais totalement loupé ma romance de Cassia. Est-ce que d'ailleurs ça se ressent si je vais lui parler? Words cannot describe how boring the bridge is without our stimulating conversations. I have enjoyed. J'ai l'impression d'avoir loupé la romance, mais qu'en même temps elle n'est pas loupée. C'est très perturbant. Alors. J'ai 30. Ah! Et ça, je vais peut-être les avoir, les 45 000. Ouh. Non, c'est pas assez. Ok, chez eux. Yes! Yes, j'ai pas assez. J'ai pas assez, hein. Alors du coup le plus intéressant c'est de faire ça, ça. Là j'arrive sur Janus, ensuite je vais là pour Rochepeste et Phorébus. Aura pas de problème. Je me permets de pas visiter hein, enfin de pas lire les petits trucs. J'aimerais bien regagner un peu de.
Putain, il faut que j'aille à Dorganus. Ah putain, j'aurais pu gagner un saut. Ah bah non, parce que j'aurais pas pu aller. Bah si. Putain. Il est où Janus? Dorganus, il est là-haut. Soit je passe par là, hop. Ouais, on s'en fout d'avoir subi des dégâts. J'ai même pas parlé à Edira, je suis quand même un femme sac à merde. Il y a quelques systèmes que j'ai pas fouillé et ça m'énerve parce que si je voudrais fouiller ces systèmes, il faudrait que j'aie un peu de trucs. Sur Janus, du coup, j'avais dit qu'il fallait que je construise. Putain, mais attends! Roche-Pest aussi, ouais, mais Roche-Pest c'est sur le chemin, c'est bon. Roche-Pest c'est sur le chemin pour retourner à Castel. J'ai bien fait de mettre en théorie hein, pour le fait qu'on allait à Castel, parce que bah, c'est pas dit que j'y aille. Alors, une délégation de Drukhari est arrivée dans la colonie. Les Xenos offrent aux Monkeys la chance de se soumettre de leur plein gré. La bataille contre les Xenos entraîne la mort d'un nombre incalculable d'humains. Non mais, genre, on va se soumettre aux Xenos. Ils sont cons! Ah putain. Ce qui est bien, c'est que je vais. C'est lequel là, c'est Roche-Pest? Non, c'est Janus. Je vais pas laisser une secte de je sais pas quoi dans mon vaisseau. Ouais, on y va à la culture, à la croyance, on croit l'empereur Dieu. On a pas vraiment le choix. Non mais ils sont obligés de me mettre des trucs qui me forcent à aller à l'autre bout de la galaxie. Sans foirer. C'est bien aujourd'hui, il fait soleil chez moi. Et même si ça monte, j'ai pas l'impression que ça fasse trop chaud non plus. C'est cool, ça laisse les possibilités de faire autre chose sans crever de chaud, parce qu'il y a un peu de vent. Alors, une flotte appartenant à Xavier et Kaisar pour s'acheter des survivants d'Aéret Drukhari jusqu'à la fin jusqu'à un monde de Moonlight 6 et pilonne actuellement la planète pour les aventures. À défendre la colonie, les acolytes qui ne sont pas disposés à affronter le branchant quittent le monde avec les Drukhari survivants. Bande d'ignobles abrutis, ne purifiez pas mon monde par le feu et le sang. En fait, c'est le seul truc que je peux pas créer pour le moment. Enfin, que je pourrais créer, mais que je peux pas avoir parce que j'ai pas la réputation. Fait chier. Je crains le pire là au niveau de mon équipe. Je suis en train de me dire. Je crains que je sois obligé de prendre Jae et l'acolyte de l'inquisiteur, ce qui est logique. Je sais pas, j'ai peut-être des choses à vous donner, non? Et niveau 12, j'ai déjà pillé tout ce qui était intéressant ou. Ouais. Ouais, le dernier truc qui peut m'intéresser, c'est le 14. J'ai quelques merdiers quand même qu'il faudrait que je trie, ça se trouve, avec tout ça, je pourrais me refaire. Des choses assez impressionnantes. De.
fort, j'ai des assortiments d'aiguilles, mais ça me sert à quoi de garder ça? Je suis teubé. Ouais, il faut que j'aille à Phobos, super. Il y a une autre grenade que je récupère, mais je sais plus lequel c'est. Non, c'est des seringues que je récupère, mais je sais plus ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, les traumatismes. Tout ce qui est drogue en dégage, hein, parce que j'en ai pas besoin. Du coup, maintenant, est-ce que j'ai refait un sac de merde? Non. Non, j'en ai plein qui sont presque prêts, mais que je peux pas donner, quoi. C'est... Yes. Genre ça, c'est 75, mais il me faudrait du sang, quoi. Putain. Seigneur Capitaine, nous avons reçu un message Vox de la Castel en réponse à la menace du Malus Extremis. L'Inquisition a décrété la loi martiale sur toute la station. Nous aurons besoin d'une autorisation spéciale pour accoster et la plupart des astéroïdes tombent également sous le coup des interdictions. La gardienne de la station, sa seigneurie Incendia Corta, vous envoie ses respects et vous invite à débarquer au dock avec une suite réduite. Ses prévôts vous y attendent et vous escorteront jusqu'à une autre pièce pour une audience privée. Vigis, si cher à mon cœur, pardon de faire une interruption, mais je dois discuter d'une affaire capitale avec le libre marchand. Oh, cher N, je veux simplement vous rappeler que mon équipage de bras cassés s'est fait capturer par des asmacs d'une faction rivale. Blemden est trop occupé pour ce genre d'entourloupe, d'autant qu'Incendia Corta l'a déjà remis à sa place. Ce qui laisse qu'une seule entité possible, Falco, que les Asis taillissent son âme en pièces. Castel est droit devant. Il serait dommage de gaspiller une seule minute du temps précieux qu'il leur reste à vivre. Il a mis des bâtons dans les roues à tel point que mon réseau de relations commerciales s'est disloqué comme un chrono assemblé avec les pieds. Zéro rentrée d'argent, zéro profit, zéro compensation. Et tout ça pourquoi? Parce que mon bras est droit et enchaîné à l'un des astropathes, enfin astéroïdes de Castel. Que direz-vous de vous rendre une petite visite de courtoisie à Falco? Je suis sûr que votre stature imposante lui déliera la langue. Et avec elle, nous aurons une chance de la chance les cordes qui retiennent mon équipage. Ok, CRN, je vous ai déjà dit que vous étiez la plus belle rose bourgeonnante de tous les jardins des étendues de Coronus. T'as déjà essayé. Si c'est là tout ce que vous avez à dire, la maîtresse Fox est plus jaille du canal de transmission sans ménagement. Toutes mes excuses, seigneur capitaine, quels sont les ordres? Ouais, quels sont... Aucun, seigneur. Bah, on n'a pas d'autre moyen. Les augures me signalent que toutes les portes d'apportage n'étant pas sous la surveillance active des prévôts ont été scellées et piégées à les dispositifs. Bah, très bien. On va y aller. Et là, on me dit, ah, t'as pas le choix, tu veux faire quoi? Bah, je sais pas, je ferme ma gueule et j'obéis. Alors, pourquoi j'ai retiré la Xeno et que j'ai pris le mec? C'est parce que, comme on va aller voir son superviseur, je me dis que c'est peut-être mieux d'aller voir. Et en même temps, j'en profiterai pour faire son level up. Alors, on va le spécialiser Xeno Warp, parce que c'est un psycheur. Et voilà. Et Imperium, comme compétence. Voilà, voilà, ça me force à changer mon équipe, comme d'habitude. Mais bon, ça peut peut-être relever le jeu, la difficulté du jeu, parce que là, c'était quand même, mine de rien, pas si difficile. Alors, elle a été plutôt remise à niveau.
crois que j'ai fait de la merde quand j'ai mis l'autre avec. Putain, je crois que j'ai fait de la merde avec mon Space Wolf. J'avais pas vu ce que c'était. Ah putain, je suis un abruti fini. Tous les coups critiques. Elle tape au sniper. Hein. À moins que. Est-ce qu'elle a ce qui est fait que. Ouais, elle a la portée de voix améliorée. Point fort aussi, tiens. Là, qu'est-ce que je vais augmenter? La sociabilité, tout simplement. Alors lui. Oh putain, il lui en reste tellement à gagner. C'est un assassin, saisir l'avantage. Wow, augmenter les dégâts d'une capacité, c'est toujours bon à prendre. Je peux pas augmenter sa force mentale. On va augmenter du coup quoi, son agilité. Ensuite, je crois qu'il tape à l'arme de force, lui. Ça, on s'en fout un peu. Je l'utilise tellement pas. En fait, je suis à un niveau de difficulté qui est pourtant moyen et j'ai pas besoin d'utiliser les capacités héroïques et tout ça. Pour le moment, je les utilise assez peu. Ce qui prouve que le jeu est quand même assez gérable. Alors, il y a un truc par rapport à la magie, hein, je sais plus ce que c'est. Bon, ça c'est toujours bien. Voilà. Niveau 40, là, c'est pas encore le cas. Il n'y a pas une très grosse détermination. C'est la fin de combat, ça c'est pratique. En vrai, j'hésite entre hymne à la haine ou destinée. Je vais prendre destinée parce qu'il est corps à corps, comme ça lui augmente sa capacité à prendre des coups. Ce qui n'est pas dégueulasse. J'ai mis connaissance de Xeno. Bah, et voilà, haine à la haine. Je peux pas prendre ça. Ah, attendez. Non, ça c'est des capacités de...
Voilà. Qu'est-ce que j'augmente? Bon, je me pose pas trop la question, force mentale. Voilà, alors il est biomancie et séraphin. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans biomancie? C'est bien. Voilà, alors là c'est le truc où il faut que je fasse gaffe parce que c'est l'endroit où ouais. Voilà. C'est là où j'ai fait de la merde, où j'ai peut-être pas pris la meilleure truc pour le. Pour bah, pas. C'est un guerrier de départ. En vrai, ça peut être très pratique. On va lui prendre la capacité de soin parce que je voulais lui la mettre. Alors, il a plus le rôle à force mentale. Du coup, qu'est-ce qui peut être intéressant? La capacité de corps à corps. Voilà, il est déjà un peu mieux. Alors, le technoprète qui arborait l'emblème des explorateurs sur sa robe braque ses lentilles oculaires augmentiques sur vous et siffle. Démarrage des fonctionnalités de sollicitation. Gloire à la maison Von Vanitus. Terminal commerce Zeta 4233 Mu, propriété de la flotte de connaissance des explorateurs de l'Adeptus Mechanicus, prêt à traiter les demandes énoncées par la. Énoncez votre demande, gloire à l'Omnimancie. Demande d'identification acceptée, réponse acceptable, trouvée, écoutez attentivement l'identifiant de ces unités et ta terminale de commerce Zeta 4233 Mu. Tâchez de signer traitement des demandes et d'échange des informations ainsi que des offres faites à la flotte de connaissances de l'explorateur de l'Adeptus Mechanicus. Signez votre demande gloire et omnimancie. Demande d'échange d'informations acceptée, réponse acceptable trouvée, écoutez attentivement les informations fournies sont jugées conformes aux normes et acceptables. Cette unité remercie la maison Von Valensus de sa coopération. Elle sera dûment récompensée conformément à la sous-routine d'encouragement et d'entraide. Gloire et omnimancie. Demande d'information acceptée, réponse acceptable trouvée, écoute attentive. L'unité logistique Opticonvandeur a reçu l'ordre de quitter le lieu Castel et de rejoindre le lieu stratégique Euphora 2 afin d'apporter son soutien à la flotte de la connaissance des exploiteurs après avoir été soumis au rituel standard. Le terminal commerce Zeta 4233 Mu et a été jugé apte à remplacer l'unité logistique Opticonvandeur et a reçu la bénédiction de traitement les demandes du lieu Castel. Énoncez votre demande, gloire omnimancie. Interface d'échange du coup. Je trouve rien. Ah si, j'en ai. Eh. Plus grand chose, hein.
Ouais, j'ai envoyé une photo à des potes de mes achats de figurines et du coup je les ai insultés de con. Parce que c'est leur faute. Toujours. Toujours insulter ses potes à ce moment-là. Tread carefully, rogue trader. Alors, c'est gentil, mais là on voit la moitié de l'écran seulement. Eh bien, qu'est-ce qu'on a à acheter? Un misérable achat qui pense pouvoir se mettre ses sales pattes sur mon certificat sans bouger le petit doigt. Vu les circonstances dans lesquelles Castle se trouve actuellement, je dirais que l'endroit le plus approprié pour lui, ce sont les égouts. La simple évocation du lieu lui fait froncer le nez. Alors, attendez. Là, on s'insulte. Voilà. Bon, bah, on va aller dans les égouts. Un lieu répugnant avec un fumet pour les moins caractéristiques, je l'admets, mais je vous le promets, Shiren, il n'y a pas de meilleure manière de piéger Falco. Je connais ces tunnels comme ma poche, et le plus savoureux dans cette affaire, c'est que cet achat a décidé de s'y planquer de lui-même. Il va regretter ce choix, enfin, si les assises ne s'en mêlent pas et que notre plan se déroule sans accroc. Même si les choses tournent mal. Shiren s'interrompt et les épaules s'affaissent sous le poids de l'inquiétude. Si les choses tournent mal, ma bande est condamnée, Shiren. Un simple geste, un simple mot. Ah, que l'Othion maudisse cet Ashmag. Pourquoi tout doit être toujours aussi compliqué. Peut-être je devrais lui donner ma mercantile tabula sans discuter. Falco n'est pas un imbécile. Il ne sabotera pas les chances de faire une telle affaire. Il tiendra sa promesse et libératera et les autres. Comment on se rend dans les tunnels? La plupart des accès ont été scellés par les sbires de Corta, mais il y en a un qui leur a échappé. Jaïl vous lance un clin d'œil, tandis qu'un sourire se dessine sur le visage. Il est temps de vi rendre visite à Octi et l'Adeptus Amesecus, Sharon. Allez! Pour faire court, on va foncer dans les égouts de Castel, raccorder une bonbonne de gaz soporifique au vieux système de ventilation et diriger son flux vers les cachettes de Falco, tout en priant les altés que ces là-bas ne nous repèrent pas. Je sais que la pratique sera plus compliquée que la théorie, Shen. Falco est désespéré et ses hommes demain doivent patrouiller dans les tunnels. Si on débarque là-dedans, sans faire attention, il se doutera qu'il se trame quelque chose. Quand Falco est nerveux, les narines de Géa frémissent d'une rage impuissante, les têtes ont tendance à sauter. J'ai trop de messages. Bon, bah, j'ai un pote qui va passer cet après-midi. Voilà. Alors, où c'est qu'on déniche la bombe de gaz? J'allais vous dévisager. Vous me prenez pour qui? J'en ai déjà une, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Bon, bah alors, il est temps de rentrer dans les égouts. Très bien, direction à la Messif, en tout cas. Ou peut-être vous avez d'autres affaires pressantes à régler avant. Bouf, bouf. J'ai des caisses à piller, ouais. Oh, ils ont pendu! Mon Dieu, on a cité les pendus! Et les crucifiés! Ils ont fait quoi comme erreur? La déco a changé, hein! Ah, et purification par le feu! Là, ça aurait été marrant que le cadavre se mette à bouger. En mode ah! Ah, j'ai le droit de lire chaque mec qui a été pendu. J'ai pas que ça à foutre, moi, perso. Elle fait encore exécuter les gens.
Ah ouais, d'accord. Les mecs qui crèvent de faim, qu'est-ce qu'on en fait? Bah un barbecue, voyons! C'est moi ou il y en a un qui reste debout? Ah non. Ouais bah là oui c'est sûr il est coupable. Bonjour! On vient pour la méchouille partie! Sandia Corta est absorbée par la lecture d'un long rouleau de parchemin, sa main gauche tient une cuillère d'argent avec laquelle elle prélève précautionneusement la cervelle de la cervelle dans le crâne ouvert de l'homme recroquevillé à côté d'elle. Artocat von Valsius, on m'a prévenu de votre arrivée. Tu bouffes du crâne? Assandia, elle est très tirée d'épuisement et sa joue est prise d'un tic nerveux incessant, mais son regard brûle d'une résolution infaillible. Une brillante aura de puissance et de fureur vertueuse la nimbe comme un manteau d'un geste gracieux. Elle porte un inhalateur doré à ses lèvres, prend une profonde respiration et les flammes dans ses yeux s'intensifient. Quelle atrocité sa fille est-elle en train de commettre? Il doit y avoir une explication. Ouais, elle est droguée. Il est évident qu'Assandia n'a pas changé de vêtements depuis plusieurs jours. Le col de son uniforme est gras et la dentelle. Taché de sueur, l'air est imprégné d'odeur et de la substance calinale. Un stimulant généralement administré au cerf pour qu'il puisse travailler des jours durant sans se reposer. Assandia plonge la cuillère dans le cerveau de l'homme, puis porte à ses lèvres et discute lentement une grasse bouche. Lentement cette répugnante bouchée. Je dois connaître le goût des pensées des criminels. C'est ainsi que j'apprends à reconnaître leurs pratiques. La mort de l'homme ne suscite aucune réaction de la part de l'assassin. Vos accusations sont bien risibles. Vous croyez vraiment capable de déceler de la corruption? Ouais. Une lueur sauvage brille dans ses yeux. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que l'a fait de pouvoir la percer et la ressentir. Scrutez l'âme des gens et voir la cruauté qui s'y cache. Ne vous y voyez pas la marque de leurs actes impies lorsque vous les regardez dans les yeux, contrairement à moi, et nul n'échappe à ma colère. Il m'est arrivé à croiser la route des cultes de la mort autorisés de s'adonner au cannibalisme pour venir à l'empereur. Beaucoup avaient des hérétiques à leur sein, bien plus qu'ils ne pourraient le croire. Vous dites de moi, j'imagine que cela n'a rien de surprenant puisque la méfiance fait partie de votre rôle. Mais vos yeux, est-il un crime? Non, j'ai commis aucun acte répréhensible contre lui. Assandia lève le manteau et vous regarde à l'interrotin. C'est la vraie justice, celle qui s'applique à tous sans discrimination, impartiale, inéluctable et impitoyable. Le seigneur inquisiteur m'a fait l'honneur de me charger de remettre de l'ordre dans le cloaque, dans ce cloaque grouillant de pirates et d'hérétiques, et de débarrasser Castel de la corruption qui l'entrave le bon fonctionnement de cette station impériale, en plus de la transformer en nid d'insubordination et de vanité. Je n'aurai de cesse qu'ils soient tous jugés jusqu'au dernier. Ouais, bah tu vas tous les cramer. Un seigneur vous dévisage avec un sourire carnassier aux lèvres. Ce doit être la providence de l'empereur qui vous envoie dans ma cour. Je vais me faire un plaisir de vous condamner pour les crimes que vous avez commis. Tess, que les ennemis de l'Imperium vous détestent autant qu'ils vous craignent. Ne faites pas de vous quelqu'un de pur aux yeux de l'Empereur. Mais peut-être vous a-t-il volontairement fait emprunter une voie différente, celle d'un génocide vertueux et d'une rédemption sanglante pour expier votre faute. Jamais je n'oserais aller à l'encontre de sa volonté. Oh putain, trop bien. Oh, je vais le faire l'iconoclaste. Je lui mets la baise! Je retourne la moitié de la foule comme mes souverains et elle peut plus les juger parce qu'ils sont sous mes ordres. Tirée de son désespoir, la foule de l'Atrium se met à pousser des cris d'euphorie en jurant allégeance à la maison von Valsius. Aucune hésitation. Aucun hésite à saisir la perche charlatrice que vous leur tendez. Voilà! C'est mes sujets, tu peux plus les juger! Assandra s'appuie d'un air las sur un accoudoir et vous lance un regard méprisant. Amenez donc ce pitoyable troubeau de mécréants puisque vous y tenez tant. Mes procès ne s'arrêteront pas pour autant, j'ai toute la population de Castel à juger. Ouf, ouais bah oui, j'ai eu de la population. Winterscale est un strep. Pendant que les étendues brûlent, ravagées par les hérétiques, les xéno-impies a abandonné son devoir et a osé ignorer l'appel du combat et le seigneur inquisiteur. Du seigneur inquisiteur. Mes serviteurs sont en train de s'emparer de ces mondes et de ces vaisseaux pendant qu'ils se terrent pour échapper à son châtiment et laisser libre cours à ses instincts les plus primitifs. Bientôt, ils subiraient ça. Pourquoi celle-là est en jaune? Négocier avec ce chien enragé
n'est plus envisageable. Il se moquerait de vous pour parler et reconnaissance tentera d'exécuter vos envoyés. Ça fait trop longtemps que le Caligos se prend pour le roi de son monde et croit pouvoir agir en toute impunité. Bah, je te rassure, il est plutôt roi de sa chaise maintenant. En effet, quand le seigneur inquisiteur a décrété la loi martiale, ils ont entendu, je lui ai immédiatement proposé mon soutien. Il a ensuite choisi Castel comme quartier général et le poste de souverain a été révoqué jusqu'à la fin de cette guerre, voire plus longtemps si nécessaire. Toute autorité m'a été transférée en ma qualité de gardienne de la station. Pendant que le seigneur inquisiteur s'occupe de planifier la stratégie, je suis chargé de l'ordre et de la sécurité. Et croyez-moi, il y a fort à faire dans ce domaine, pirates et contrebandiers, apostats et adeptes du commerce à froid, déserteurs et hors-la-loi, chacun d'eux représente un problème à gérer. Asandia fait craquer son cou, plusieurs heures de lecture ont dû crisper. Puis elle reprend une cuillère de cervelle dans le crâne ouvert de l'homme recroquevillé à côté d'elle. Mais il est mort l'homme, c'est pas possible! Tout autour de vous, les serviteurs coulent sous les piles de dénonciation et de mandats. Tenez à moi, Castel, tous les bons marchands qui viennent ici jouissent d'une autorité absolue. Vous n'allez pas me dire que cette canaille de Torka mérite de diriger cette station tout de même. Il se balancera bientôt au bout d'une corde, comme les comparses de la Kabaliska et ses bouts de feu d'Anver, dont les agissements ont causé du tant de tort à Anver. Elle regarde. Malgré vos efforts pour m'empêcher de soumettre cette station, je suis toujours là et je continue à traduire la racaille en justice. Mon seul regret est de ne pas avoir pu commencer plus tôt. Les souvenirs de Tokar auraient déjà été un interdit au lieu de rôder sur les quais de marchands et dans les tunnels de maintenance. Enfin, peu importe, je m'occuperai d'eux bien assez vite. Une tentative maladroite qui est loin d'être la première. Heureusement, mes prévôts et mon trône me protègent, dit-elle avec un sourire tapotant à la côte. Son char réfracteur stoppe net un obus de char. Stopperait net un obus de char d'assaut. C'est une relique drusienne sacrée que ce voleur de Tokar a gardé dans un de ses entrepôts. Tout le monde, les voleurs, les contrebandiers, les pirates, les traîtres, les hérétiques, les déserteurs, les incitateurs, les complices, les lâches et les parjures. Quiconque y a déjà commis un crime, protège un mécréant ou passé un délit sous silence, tous seront condamnés. Sandra se met à feuilleter les papiers avec une détermination obsessionnelle presque inconsciente. De plus en plus de prisonniers ont la chance d'être soumis à la servitude imperputis, qui les débarrasse de toute conscience pécheresse et de leur permettre de servir l'Imperium sans se laisser détourner de leur devoir par le doute ou la faiblesse. Une fois de plus, Castel deviendra un bastion de justice et de vertige, éradiquerait toute trace hérétique qui pourrait empêcher les infidèles d'accepter de se mettre au service. Je ne fais que rendre le jugement d'empereur. Je ne connais pas d'autre plaisir que de lui le servir. L'univers est un lieu terrifiant. Nous sommes cernés par les machinations du grand ennemi et par ces ignobles xénos qui veulent nous refuser le droit d'exister. La menace est d'une ampleur inconcevable et la faiblesse humaine ne nous sera d'aucune utilité pour y faire face. Si l'homme est faible, alors il est de mon devoir de le débarrasser de sa couardise et de sa médiocrité et de le doter d'une étroitesse d'esprit sacrée tout en éradiquant ce qui pourrait l'empêcher de se vouer corps et âme à l'Imperium. Ouais, non, mais... Elle ne ment pas, ce regard et sa voix qui vibre d'une foi sincère indique clairement qu'elle y croit comme Dieu comme fer. Oui, le Seigneur. Dans les appartements du souverain, il est occupé à coordonner les défenses des centres. Il s'occupe des tâches absolument essentielles et ne reçoit personne. Le soldat en armure de l'Inquisition fait aucune aux paroles. Incendiaire. Vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur Inquisiteur pour le moment, votre Seigneurie. Toutefois, il m'a dit de vous informer qu'il vous fera mandater ultérieurement quand les circonstances lui permettront. Bon, bah voilà. En temps voulu, j'éradiquerai toute la souillure qui empoisonne Castel depuis son temps. Ensuite, la piété, la loyauté et la dévotion reviendront des fondements de cette station sous son œil vigilant. Ouais, bon, on va... Attendez, avant cela, il y a quelque chose que vous devez faire pour l'Empereur. Vildam Tokara, l'ignoble rebelle qui dirige cette station, a réussi à m'échapper. Il pousse le peuple à se révolter, tue mes serviteurs et se cache de ma colère avec toute l'habilité d'un rat d'égout. D'après mes informations, on le voit régulièrement dans ce repère d'agitateur qui porte le nom irrévérencieux d'Aptitude... Tus Amesecus. Ouais, bah je devais y aller. Nous avons déjà tenté de l'appréhender à plusieurs reprises, mais il est parvenu à s'échapper à chaque fois. Le révérend Imodéus s'est rendu sur place pour le convaincre de se rendre, mais jusqu'ici, ses efforts sont restés vains. Eux aussi. Dans l'intérêt de l'intégrité de Castel, il est nécessaire d'arrêter Tokara. Donc tant que j'ai pas ça, j'aurai pas l'accès au l'inquisiteur. En tant que bon marchand au pouvoir, je vous ordonne de m'aider à l'amener devant la justice.
L'astéroïde sur lequel se trouve l'Adeptus Amicus est actuellement interdit d'accès, mais les prévôts vous y conduiront. Je veux que vous fassiez sortir Torka de son trou et que vous le capturiez pour qu'il soit jugé. Faites-le au nom de la libération de Castel pour paver la route qu'empruntera ma justice. Ma justice! Pourquoi lui il y allait? Les violences sont rendues là où on le voit le plus souvent, les rebelles, afin de sermonner et d'essayer de les pousser à se repentir. Hélas, il ne voit pas toujours la différence entre les brebis égarées et les irrécupérables. Oui, mais toi, t'es un fanatique trop. Vous accusez Veldheim? Bien entendu, les infamies de cette canaille ne sont un secret pour personne. Ils traitent avec les voleurs, des contrebandiers, des pirates. Sous sa gouvernance laxiste, les récits et les cultes impies ont prospéré. Il se soustrait depuis trop longtemps à son châtiment. Et c'est une négligence majeure que je compte bien y remédier au plus vite. Qu'est-ce que je gagne? Cela ne vous suffit pas de savoir que l'ordre et le respect de la loi impériale reviendront à Castel. Je constate que vous avez adopté les travers de Théodora, notamment son orgueil, sa cupidité et son indifférence vis-à-vis de son devoir. On va mentir. Sans tenir compte de votre coopération. Mais n'oubliez pas, poursuit-elle avec une lueur démente dans les yeux, aucun des chefs rebelles n'est autorisé à mourir avant d'être jugé. Je vous interdis de les exécuter sans ma permission. C'est-à-dire que je dois refouiller tout ça juste pour pouvoir avoir accès à vraiment tout le loot possible. Bah ça a pas trop changé, c'est cool. I will have to decline your generous offer, Magos. I would rather keep serving the Golden Throne with my full complement of limbs. Et comment je fais pour accéder à ce cadavre? Je ne peux pas. J'avoue que j'arrive à être paumé là. Ok, il m'autorise pas à y aller. Regardez, noble Artocat Castel se transforme sous vos yeux dans le sillage comme le roi et tout. Le capitaine Wirkil était un homme beau, mais non absent de faute, tout comme mon frère de service Garvik et les 4820 pèlerins ayant pris place à bord du défricheur. Voilà tant d'années. Je suis bien triste d'apprendre que leur bonté n'aura pas suffi à surmonter l'épreuve du néant, puisse leur mort à jamais nous rappeler que la corruption a de nombreux visages, et même sans parler des âmes les plus pures. Merci de m'avoir informé, seigneur capitaine, je déclare donc la colonie AIA3649 minoris officiellement perdue. Allez, tiens. J'espère que leur souffrance aura été à la hauteur de leurs méfaits. Tu as combien de réputation du coup? Ah, il manque pas grand chose. Il manque pas grand chose parce que c'est 46 000 je crois qu'il fallait. Ou 45 250. Il manque plus grand chose, vraiment plus grand chose là. Qu'est-ce qu'il accepte? Les armes et tout. Fais regarder. Je vais regarder qu'est-ce que je peux mettre dans les armes. Alors le couteau, je peux m'en débarrasser. Hein. Arme du mendiant, je peux m'en débarrasser aussi.
pour lui créer un nouveau stock de merde. Et voir s'il n'y a pas moyen de... Attendez. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'était ça. Le couteau, on peut se débarrasser. La hache énergétique, on peut s'en débarrasser. Il y avait un pistolet bolter, on peut s'en débarrasser. Il n'a pas de nom, donc... Pistolet inferno, on peut s'en débarrasser. Pistolet laser, on peut s'en débarrasser. Oui, ma belle. Gne, 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 gne. Ah, j'ai arme à distance, personne. Xeno, 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 Xeno. Don du Mechanicus. Xeno. Je suis en train de regarder vraiment qu'est-ce que je peux mettre dans le truc en mode pour grappiller un point ou deux. Ah oui, il veut pas l'arme de tir, lui il veut que du corps à corps. Fait chier. Fait chier, j'ai principalement fait des armes de tir. Puis là ça va augmenter le xéno, donc ça n'intéresse pas. Alors hop. Non, il n'y a rien de plus, ok. On va voir s'il y a possibilité de reparler à Zeta 42. Hop, il y a peut-être moyen lui de lui vendre plein de conneries. Eh, je suis niveau 18 de commerce avec lui, ça se trouve il y a des trucs intéressants au niveau 18. Il y a un émetteur de champ de force. Pas ouf. En vrai de vrai, pas ouf. Ok, lui il faut que je change son équipement, ça on s'en fout. Ouais, non. Il a la force nécessaire pour ça, mais c'est inutile. Du coup... On va quand même revoir pour le restuffer parce que ben il est un peu à la dèche. Une armure de cuir, c'est un peu de la merde.
À 125 d'esquive, là il est bien. Ensuite, on va regarder tout ce qui est là, parce qu'il a rien. Il a rien de chez rien. Et puis ça, c'est quoi, c'est... Ouais, c'est pas... Enfin, c'est bien et pas bien à la fois, quoi. Oui, ma belle. Oui, c'est bien de venir voir papa. Je sais qu'en ce moment, il a besoin que vous soyez là. Par contre, si tu pouvais éviter de me foutre dans les trucs... Ma soussou, t'es belle, mais quand même. Oh bah ça c'est bien. C'est 3 fois l'indice psy, indice psy 4, donc ça fait 12. C'est bien. C'est pas ouf non plus, mais c'est bien. Il y avait d'autres trucs par rapport au psy. Voilà, ça va où déjà? Ah, les colliers sont là, d'accord. On va regarder les bottes parce qu'il n'en a pas. Alors, gagner 2 PA, 25% de chance, ça peut être sympa parce que, comme c'est un assassin, il a besoin de se déplacer. Alors, maintenant, les gants. Ma belle, tu prends de la place quand même sur le tapis de souris. Alors, technomaîtrise. Bonus de technomaîtrise de plus 5 et augmente les dégâts de ses armes incendiaires de plus 3. Il se bat pas à l'arme incendiaire, donc il s'en fout. Ça c'est bien. Je joue un assassin, donc voilà. Confère plus 10 de force. Alors on va prendre le fait qu'il confère des brèches. Voilà, le plus 10 de force aurait été sympa aussi, parce que bah, la force, ça impacte tes dommages physiques, mais bon. Le casque. Ah, plus 10 de force mentale et moins 5 de dégâts de... Ouais, ça peut être sympa. Ah, médecin, hein. C'est très moche, mais bon. Ensuite, au niveau du coup. Massacre jubilatoire, il l'a pas. Combat tactique, il l'a pas. Versabilité, il l'a pas.
Alors c'est pratique parce que d'une certaine façon, il est au corps à corps. Donc il va forcément infliger des dégâts. Mais bon, c'est pas ouf, hein. C'est le plus intéressant, mais c'est pas le mieux, quoi. Voilà, il a quoi comme cap? Une cape qui lui permet d'ignorer certains effets, c'est pas mal, mais bon. Ça, c'est sympa. Ça, c'est très sympa, hein, du truc du dualiste pour lui. Ça part un truc, c'est pas par la magie, hein. Les lanceurs de sorts ne jouent plus à distance pour moi, donc je m'en fous un peu. C'était celle du dueliste qui était sympa. Ben voilà, on l'a refait un peu au niveau équipement et elle, elle avait déjà été refaite un peu. Non, parce que ça serait très con d'aller dans la zone du bar. Et ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Je crois que j'ai trois quêtes à faire dans ce coin-là en plus. C'est cool. Oh putain! À sauvegarder. Let's proceed. On va aller dans les égouts. Promenons-nous dans les égouts tant que le loup n'y est pas. Donc tout est, s'il y avait un loup dans les égouts, on aurait vraiment des raisons de s'inquiéter. Alors. Ah oui, fais-moi une petite révérence, mais non, maintenant qu'on est dans un endroit qui pue la merde. Bienvenue dans le royaume des voleurs, des assassins et des contrebandiers, Sharon. Les produits les plus fins d'un castel transitent par ces tunnels sans exception. Explique Jerry en écartant largement les bras de manière théâtrale. Comme je le disais plus tôt, les rabbins de Falco patrouillent dans la moindre recoin de cette satanée. Vous voyez ces petits salauds? Il faut à tout prix éviter d'attirer leur attention. Bon. Pas question de ruiner nos plans en nous comportant comme des grosses dans un magasin de porcelaine. Bref, pour l'instant, on va se contenter de suivre le plan. Je vais me permettre de vous rafraîchir la mémoire, Shane. On doit éviter les patrouilles et atteindre le canal des égouts. Une fois dedans, on se dirigera vers l'est jusqu'à bah, presque au bout. On raccordera la bonbonne de gaz à l'entrée, ce qui, paradoxalement, vu qu'elle était initialement destinée à éviter toute intoxication, ensuite, il faudra ajuster quelques valves et mettre le gaz circuler dans la salle. J'aimerais tellement voir la tête de cette affaire. Se terrer dans l'ombre à l'abri des combats, ce chose satanique de ces guerriers divins. Mais si cela permet de sauver des vies innocentes, j'étoufferai le feu intérieur qui me pousse à charger l'ennemi droit au fond. Le mot innocent n'est peut-être pas le mieux choisi pour faire référence à ses collègues. Alors on va sauvegarder là comme ça m'évitera de me refaire le dialogue. Et on va tenter. Même si je pense que connaissant mes capacités habituelles. Chargé. Attends, comment j'aurais pu... Il y a un moyen d'être discret dans le jeu d'activer la dissimulation. Attendez. Ça se trouve, j'oublie totalement une option qui permet d'activer la dissimulation. Et c'est pour ça que je suis une burne. I serve the Golden Throne.
duty prevails. Ok, on va sauvegarder. Je vais faire plein de petites sauvegardes parce que je sens que sinon ça va me saouler. Et on se la fait vraiment en mode un plan sans accro. Parce qu'on adore quand un plan se déroule sans accro. Il y a une valve de chaque côté, donc. I love to lead. I better myself through my service. The treasures of the Coronis await. On a quand même alors réussi pas mal de petites valves. On en a réussi 3 sans se faire repérer. C'est pas mal. On sait combien il y en a à activer aussi. I'll take it from here. Stop. There. My success is an irrefutable certainty. Oh, don't you trust me? Still new to the art of exploring. Alors attendez. Ah, il me reste une valve à activer. When the faithful are idle, heresy grows. Qu'est-ce que... Attendez. On va charger du coup, hein. J'ai pas compris. J'ai pas compris, je voulais aller désamorcer un piège et là ça me dit vous avez échoué une partie de la quête. What? Les mecs, c'est pas logique. Tu ne peux pas échouer une partie de quête parce que tu as... Do I detect doubt in your voice?
Purée. Il y avait encore une valve là, c'est pas celle-là qu'il faut que j'active? Non. Duty prevails. Ok, je pense avoir trouvé la valve qui me manque. Never doubt me. Ouais, le jeu sauvegarde. Looking for a hidden cache. Putain, sérieux ? Il est trop long! Je cours trop vite pour lui! Je suis un speedrunner! Bon, je déconne. Find the right way without his light. La merde. Mais attendez, mais oh, quelle valve j'ai pas fait. On s'en bat les couilles. UT5. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. I'll guide your vessel and lead you on your way. Je sais pas dans combien de temps il revient, donc je préfère m'en mettre là. Ouais, je l'entends revenir. Je crois que c'est lui qui m'a baisé, hein. Genre, à un moment, il y en a un qui m'a baisé parce que j'entendais ses bruits de pas. We have no time to lose. On va sauvegarder, hein. Encore. De toute façon, la seule que je ne peux pas avoir pris, c'est malheureusement. Mais je vois pas d'où il m'aurait spoté celui d'en haut. My warp site reveals something. The Emperor sets my path. Nothing escapes my sight. I better myself through my service. Putain! Je l'ai vu, je l'ai vu, j'étais en mode... Merde, tu baisais, je peux rien faire! Et donc c'est celui-là qui m'a spoté tout à l'heure et qui fait que j'ai échoué. Ah putain, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'après cette quête-là, je m'arrêterai. Every day, a new opportunity. My Auspex has detected something. On sauvegarde. Sins hidden in the heart turn all to decay. En fait, ici, je connais pas le chemin de patrouille des hommes. Et comme je connais pas non plus la zone, c'est la galère.
Non mais sérieux ? Honnêtement, là, j'ai... Le meilleur moyen que je m'en sorte, c'est de foncer dans les pièges, de me les bouffer, et puis voilà. Au moins, je sais que si je me les bouffe... Non, parce que je sais pas où sont placés les hommes, et je me fais spotter toutes les deux putains de secondes. It is my destiny to traverse the unknown. Acquisition is possible. Duty prevails. My mind is focused. Fascinating stratagem. Je suis baisé. So shall it be. Non, mais sérieux ! Sérieusement, là, le jeu... Non, il me voyait pas, il me tournait le dos, il partait dans une autre sens. Ah ouais, je veux bien que les mecs qui pèsent 3 tonnes qui... et qui courent comme un putain de troupeau de drogue, comme ils disent. Mais quand même, s'il te plaît, respecte-moi, le jeu. Ah, putain. Join me in prayer. What deeds await us? I better myself through my service. Remember, innocence proves nothing. I woke up. Mais non, mais putain! Wonder, as if a field of flowers was blossoming nearby. Le misclic de merde! A child was saved from death. A thousand. Oh, sire, grant me the wisdom to perceive. The Emperor favors me today. On va repartir en arrière. On va faire une bêtise là, je le sais délibérément. Non, je veux pas charger, je veux sauvegarder. Je sais délibérément que je vais faire une bêtise. Donc là, je vais pas gueuler. En fait, il faut que je trouve où est la dernière valve. J'ai pas 10 000 choix, il faut que j'y aille limite à la bourrin. Where's the profit in this? On va tester, on va voir si ça passe là. Et après, je speedrun là dans l'endroit où il était. Je m'en fous. En fait, ce que je veux, c'est savoir. Tread carefully, rogue trader. Y a pas de valve? Ah si, là. Ah, comme les valves ont disparu, mais je pense que c'est celle-là, la dernière valve. Ok. Ok, là, j'ai une raison de le faire intelligemment. Y a pas d'ennemis. Soit tous les mecs fuient, et donc le mec, la garde qui avait là, s'est barré. Hein, on est d'accord qu'il me reste ouvrir une valve. Là, on a encore les valves et la seule qui pourrait correspondre, c'est celle tout au fond là-haut. Celle-là, ne faut. Ne... Je sais pas pourquoi il considère qu'elle est pas bonne. Donc, on va tenter, on va essayer d'aller voir. Là, on attend qu'il passe. Là, il est bien, il est passé. Il est loin, je le vois plus. From here.
injecter le gaz dans les conduits. Attends, comment? À l'aide d'un des cogitateurs abandonnés. On a vu des cogitateurs, nous, quelque part. Duty prevails. Do I detect doubt in your voice? Non, on n'en a pas là, donc. Ok. On va y arriver! On va y arriver! C'est pas de couilles, c'est chiant, mais on va y arriver. Déjà, hein, je pense. Oh, les cogitateurs, ils doivent être sur le côté, hein, genre. Par là-dedans, c'est pas possible autrement. Sauvegarder. On sauvegarde parce que là, ça commence à me. Je vais pas dire à me stresser, mais à me prendre limite la tête. Je sais pas où est le mec. Je sais pas s'il est par là ou par là. Ça fait chier. Et après, il faut que je trouve le cogitateur abandonné qui est sûrement dans une des deux salles là, mais je sais pas laquelle. Attendez, il arrive. Moi qui va vers l'eau. Parfait. I serve the golden throne. Operation successful. Et ben voilà. On libère les miens. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que franchement, je me suis dit que ce serait plus intéressant pour moi, dans le jeu. Voilà. Réveille-toi, toi. Allez, espèce de cachard, réveille-toi. Joa grippe les épaules de la jumelle survivante et la secoue nerveusement. Jay, reste là-bas, là. Fais un piège. Il baisera à pas brandir. Sous un masque à contusion et aux paupières tuméfiées, on reconnaît à peine le grand visage appartenant au Radio Tor. Par exalté, qu'est-ce que cet hachemac t'a fait? Lumière de mon âme. Jaé caresse doucement la joue déformée de la jeune femme avant de se tourner vers eux. Il va mourir ici comme un vulgaire bâtard, il ne mérite pas mieux. Sur un ton ne laissant aucun doute à cette détermination. Je me demande ce que vous avez en tête, chère reine. Vous envisagez de faire preuve de clémence, de contacter l'Imperium, ou réfléchissez-vous à un meilleur moyen de faire s'ouvrir sa smack? J'allais dévoiler un sourire caressé. Toutes ces options me conviennent. Chacune, à Cassel, sait bien qu'il vaut mieux se pendre que de finir dans les salles d'interrogatoire en tête à tête avec les rabbins d'Ascendia. voilà, un bord parfait pour l'ordure que. Du. Et Falco. Tara crache une nouvelle dent de sa bouche ensanglantée en visant le visage inconscient de son bourreau. Le reste de la bande est recroquevillé dans le coin. Malgré leur triste état physique, les survivants vous adressent des sourires en guise de salut et vous chevalent sur vous et Jay donne un coup de vie. Et bien, Charlie Cassel peut désormais dormir sur ses deux oreilles. La pire des verrues de son corps verrouillé a été brûlée, et pas par n'importe qui, par Jay Eidari, avec le soutien de son incroyable protecteur. Jay vous adresse un clin d'œil. Son visage s'illumine d'un sourire éclatant comme si vous ne lui avez pas encore jamais vu. J'admets que j'ai encore du mal à réaliser tout ce qui s'est passé. Il faut que je discute avec mon équipe. J'ai sans doute pas mal d'ordres et de conseils à donner. Concernant notre petite aventure, on en va en reparler en privé à bord du vaisseau.
Et du coup, là, j'arrive où? J'ai envie de voir un truc, je vais le faire, puis au pire ça me fera arrêter devant Incendia. Incendia pour lui dire, hey, regarde dans les sujets d'égout, il y a ça. Il est encore là, ce con. Bonjour. Vous n'avez pas le choix, Risa. Si vous abandonnez Castel à Corta en prenant la fuite, où irez-vous vendre vos marchandises? Où vous approvisionnez-vous? Et vous et vos hommes serez condamnés à une mort lente. Plus de missiles, plus d'eau, plus d'air. Alors cessez de repousser l'inévitable et suivez le plan à la lettre. Votre plan n'est rien d'autre qu'un pacte de suicide. Vous n'avez... pas d'alliés, pas d'armes, rien. Blaina et Risa vous remarquent, la vieille pirate affiche un sourire financier. Vous ne jouez pas dans la bonne catégorie, Pokémon. Vous vous attaquez à une dynastie de loups enchantes avec une poignée de truands et trois fusils. Vous allez finir au bout d'une corde plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Blaina se tourne vers Risa, le visage impassible, mais vous l'entendez marmonner un juron entre ses lèvres. Il est difficile de faire abstraction de votre présence, votre seigneurie. Chaque fois que vous vous mêlez de quelque chose, vous avez tendance à changer radicalement la situation. Salutations, votre seigneurie. Quant à vous, Vakemo, je n'ai rien à y ajouter. Votre plan est bon à acheter. Je refuse de prendre ce genre de risque. Je vous laisse y réfléchir. Vous finirez peut-être par comprendre qu'il vaut mieux utiliser ma navette avant que je m'en aille avec la dite navette. Alors. Malheureusement, votre seigneurie, je n'ai rien à vous offrir pour le moment. Mon accès aux ressources qui vous intéressaient a été temporairement restreint. Il va falloir loger une balle dans la tête, dans quelques crânes, pour que je puisse de nouveau proposer marchandise digne de nous. L'ex-suzerain semble furieux et concentré. Le col de son manteau est déboutonné, laissant apparaître les mailles de l'armure renforcée de céramique qui se cache en dessous. Et il porte... un étui à pistolet à côté. Maintenant que Vlamé a jeté son masque de bureaucrate refrogné, ses manches retroussées laissent paraître ses vieux tatouages rappelant son passé de bandit. Il émane de lui une aura d'autorité. De cruauté autoritaire. Je vais aller faire un tour. Hoche la tête, puis son regard se pose sur une tablette affichant les cartes du système. Il examine minutieusement. En fait, on va s'arrêter là, c'est pour ça que je fais ça. Donc la prochaine fois, on va régler le problème Castel. Voilà, voilà. Sur ce, bah moi je vais vous laisser pour la fin de la journée, hein, faire ce que va faire vos occupations. Je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures.